C'est Clément les Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un unboxing de larve de citoyenne. Allez, c'est parti. Alors là, on va enlever tout ça. Et j'avais commandé des larves de cétoine morgani et une autre espèce, mais c'est des Dichronorina, des varania, je sais plus quoi. Et là, on a les Odicella morgani, c'est ce que je préfère. Je veux dire s'il n'y a pas d'autre chose, mais non. Donc on va regarder ça. Si les larves vont bien. Alors, le couteau, il est là. C'est une espèce qui est toute verte, entièrement verte, avec une jolie petite corne pour les mâles, qui est assez active. Je vais vous mettre une photo. Je crois que c'est bon. Donc je vais chercher une petite boîte pour regarder si les larves vont bien. Déjà, on a une larve ici. Qui est pas mal. On va la mettre de côté ici. On en a une autre petite ici. Donc là, on en a deux. Normalement, je devais en avoir cinq. Je dis bien normalement, parce que peut-être qu'il y en a qui sont mortes pendant le trajet. On a une troisième ici. Et là, elles sont ici. Hop là. On a une quatrième ici. Où est la cinquième? La cinquième est ici. Et y en a-t-il une sixième? Oh oui! On a la sixième qui est ici. Donc là, on a toutes les petites larves qui sont bien grosses déjà. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont L2. Donc on a ça, je vais aller les mettre dans leur boîte. Donc pour le moment, je vais les faire grandir dans une boîte en plastique comme ça, avec beaucoup de substrat. Comme ça. Je vais les relâcher dedans. Elles sont bien grosses, surtout celle-là. Je vais leur mettre leur substrat. Voilà.
Et on va se retrouver pour le deuxième, la deuxième petite boîte de l'arbre. C'est parti. C'est bon, j'ai enlevé le scotch. Bah, je l'ai coupé. Et on va regarder ensemble si on a des petites larves. Alors. Déjà, on en a une. Donc, je pense qu'il doit y en avoir une sixième en plus. Au cas où, si on avait une qui mourait pendant le trajet. Celle-là, elle m'a l'air pas très bien. Elle est un peu marron. Elle est toujours vivante. C'est à voir. On a une ici. Il y a des petits morceaux de plastique à l'intérieur du substrat, c'est bizarre. Je pense qu'elle ne l'ait pas mangé. Donc on est toujours à 3, à une quatrième ici. La cinquième ici et la bonus on va voir, ah, elle est juste ici. Tout le monde a l'air d'aller très bien. C'est si rond. Je vais voir si on n'a pas une septième au cas où. Et bon, on n'a pas de septième. Mais on va aller les mettre dans leur petite boîte, elle aussi. Voilà leur boîte. Oula. Vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Les 6 sont ici. Donc, ouais, j'ai mis un petit substrat comme ça. Moi, je le fais comme ça, après il y a des gens ils le font mieux, mais moi ça marche comme ça. Bon, je leur ai mis leur substrat et on va les relâcher. Et voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like pour suivre l'évolution des larves sur ma chaîne. Allez, salut !